Bonjour. Alors, sur la cataracte, on doit se faire opérer, ça fait jamais plaisir, mais en quoi ça consiste exactement? Alors, c'est tout simple, ou presque. C'est dans l'œil, vous avez une double lentille qu'on appelle le cristallin, qui devient opaque. C'est ce qu'on appelle la cataracte. Donc, c'est comme si vous aviez un carrossage à l'intérieur de l'œil. Aucun verre ne pourra vous rendre cette transparence puisque c'est sale à l'intérieur. Donc, l'opération de la cataracte consiste à mettre un implant à la place de cette lentille dans la capsule, de telle manière à rétablir une vision nette. Mais alors, la grande question, c'est quel type d'implant choisir? Alors, ce matin, justement, j'en discutais avec un ophtalmo, et lui, depuis le début de l'année, il a fait 100 opérations de cataracte. Il n'a implanté que deux implants multifocales, c'est-à-dire de près et de loin. Et je lui ai demandé la raison. Avoir son ressenti, parce que moi j'avais déjà quand même mon idée, et ben c'est surtout que les implants multifocaux concernant les cataractes ne sont pas parfaits. C'est-à-dire que si on a une vision, ou si on n'a pas une grande exigence de sa vision, ça peut coller, ça peut marcher. Mais dès qu'on va avoir un certain besoin en acuité visuelle, que ce soit de loin ou de près, ça sera jamais parfait. Donc il vaut mieux dans ce cas-là privilégier ce qu'on appelle un implant monofocal, c'est-à-dire uniquement de loin. Et puis après, eh bien, si vous avez besoin de lunettes pour lire, toc, vous mettez juste des petites lunettes pour lire. Voilà. Ça, c'est vraiment mon conseil dans la mesure où ces implants multifocaux, ce n'est pas encore parfait. Alors peut-être que dans l'avenir, ça le sera. Mais là, en fin 2019, eh bien, ce n'est pas encore parfait. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.